Aïe. Bonsoir à toutes et à toutes, comment allez-vous en ce jeudi 11. Demain c'est le week-end. Et comme lundi c'est férié, bah c'est cool. C'est cool ce mois-ci, ça nous fait 3 jours. Ça nous fait 3 jours, samedi, dimanche, lundi. Plus quelques petites heures en plus pour vendredi, en espérant de finir de bonne heure. Si on finit à 16h, c'est cool. Ça, ça nous fait gagner des petites heures en plus. Donc là, il n'y a pas très longtemps, je viens de finir le taf. Je viens de rentrer, il est 19h15. Et j'ai fait quelques petites courses, mais il n'y a pas grand-chose, c'est que des boissons. Puis après, je vais ce soir, je ne mange pas, je vais direct au lit, parce que je suis fatigué. Je suis hyper fatigué et... En plus, j'étais pas bien toute la matinée. Tout ce que j'ai mangé hier soir, ce matin, ce midi, bah, j'ai tout vomi. Donc là, j'ai pris des cachets, là, j'ai pris pour le mal de ventre. J'ai pris un Doliprane. Et normalement, on devait nous rester des petits cachets anti-vomissement. Bah, comme par hasard, il n'y en a plus. Donc voilà, on sera obligé de faire avec. Mais j'ai bu du coca en rentrant. Le coca, c'est un anti-vomissement aussi. Mais bon, je ne vais pas tout boire, parce qu'après, ouais, je ne vais plus rien avoir. Alors, Franprix. J'étais à Franprix, parce que je devais aller à Carrefour City. Et après, il fallait que j'aille jusqu'au tabac, à très 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 loin. Donc je me suis dit, je vais aller à Franprix, parce que comme il y a un petit tabac, il y a Presse. Le truc de presse et qui fait tabac en même temps, je dis comme c'est à côté, et comme par hasard, il n'y avait pas de cigarette. Comme par hasard. Donc il fallait que je repasse tout demi-tour et aller à l'autre tabac pour les clopes. Lui, à chaque fois, il a jamais les cigarettes qu'il faut. Donc Franprix, Coca-Cola sans sucre, sans caféine. Comme d'habitude. Voilà. Mais après, je crois que je vais arrêter ça de vous montrer ça parce que ça devient un peu longuet. Parce que c'est toujours pareil, je prends toujours la même chose. Donc au bout d'un moment, vous allez en avoir un petit peu ras le cul. Et vous auriez raison. Donc je vais arrêter après. Épars. Hein. Je crois que des vidéos que si vraiment il y a des produits en plus, que je prends en plus, qu'on n'a pas trop l'habitude, ou des hauls Leclerc, des hauls Carrefour, des hauls machin, des hauls Bidou Chouette. Sinon, j'arrête de faire les vidéos de course. Pourquoi tu arrêtes de faire les vidéos de course? Parce que pour juste ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ça. Parce qu'il y a les cartes. Ah oui, mais les grandes courses. Voilà, sinon... pas que t'arrêtes les vidéos de course, ils vont prendre carrément les vidéos. Mais non, les gens ils comprennent le français. Enfin, je crois, j'espère, vous comprenez le français. Ça y est, il est encore mauvais poil. Je viens de dire que pour des petits trucs comme ça, ça sert à rien que je fasse des vidéos. Je ferai vraiment quand il y aura des produits en plus qu'on n'a pas l'habitude de prendre, que ça fera un petit peu plus. Ou des hauls. Et comme là, il y a des cartes pour les montrer. Si on a reçu par les abonnés. Et puis ça leur fera plaisir que je leur montre les cartes à la bite du chouette à la marche arrière. Donc du lait, Normandie. Soda. Papier cul. Franprix présente le papier toilette ultra douceur. 6 rouleaux, triple épaisseur. 3 toiles. Voilà. Il fait chaud. C'est tellement cher. 3,10€. 35 degrés. Et Red Bull. Et je me suis pris un Red Bull parce que franchement j'avais hyper soif. J'avais la bouche sèche et tout. Comme j'avais vomi et tout, laisse tomber. À la vôtre.
Mais là, j'ai pas du tout faim. Je suis dégoûté. J'avais bien mangé et après, tout est parti. J'ai même dit à mon chef, je t'ai bouché les chiottes. Viens, va dégueuler chez toi. Après, je lui ai dit à mon chef, je suis pas bien, j'ai mal au ventre, je viens de vomir. Là. Est-ce que je peux rentrer? Il me fait, oui, vas-y, rentre. Heureusement, il était 17h, 17h15, ça va, c'est à peu près mes heures. Mais bon, ça va. Je suis pas perdu. Je suis pas perdu dans les... Non, papa, je peux pas passer là. Coucou. T'étais mis devant la fenêtre. Comment tu sais pas? Coucou. Mais si tu passes, t'es pas si gros que ça. Hein? Bon, t'as un petit cul, mais bon. Avant de manger, t'as un gros cul là. Oui, dis quoi, ça? T'es le gros cul au bébé? Hein? T'es le gros cul au bébé? Bon, j'ai mon cœur. Bon, j'ai mon bébé d'amour, j'ai un petit papa. Je sais pas si je vous ai montré le bidule chouette à la marche arrière. C'est bon, tu l'as montré. Voilà, le bidule chouette à la marche arrière. Je me suis pris la Dodge Vita Hipot RT de Fast and Furious. Fast and Furious. Donc c'est la tuture de Vin Diesel. Donc comme de temps en temps, quand il y a des belles petites voitures pas chères, elle était à 2 euros et des poussières. 2,80€, un truc comme ça. Et quand ça me plaît, je prends. Parce que j'en ai une comme ça en noir, pratiquement pareil. Mais c'est celle de Super Naturel. Et comme celle-là, je la voulais. Là, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle de Walker, la orange là. Je vais prendre celle de la fille. Enfin, la sœur de Vin Diesel. Enfin, je crois qu'elle a une Porsche, elle. Une Porsche orange. Ou bleue, je sais plus trop. Ben, je vais prendre celle-là. Après, les autres, ça m'intéresse pas. C'est juste 3-4 voitures, après, c'est tout. Donc, voilà, c'est la face. Bon, ils voient, là? Oui. Voilà, face. Face, devant, derrière, au-dessus, en dessous, sur les côtés, les roues, et je sais pas si vous voyez l'intérieur avec le volant, le bordel, tout en cuir et tout. Donc, wali walou, donc 2 euros ça, ce bordel. Voilà, comme ça je laisse dans la boîte. Voilà. Voilà, dans la boîte. Voilà. Et on a reçu deux petites cartes. Donc une petite carte de Marie-Laure de Lourdes. Normalement au mois de septembre, si tout va bien, on devrait y aller. Je dis bien normalement. Donc une belle petite carte de la statue Lourdes. D'accord. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et le tréport de d'Isagabi, de youtubeuse de la chaîne Isagabi. Voilà. Donc elle nous a envoyé une belle petite carte. Voilà, du tréport. C'est très 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 joli. Et nous, il y a une année qu'on a failli y aller, mais il y a eu un problème avec le car. Du coup, on a changé de destination. Mais non, c'était prévu qu'on aille à Tréport. Si on voulait voir
le cercle là de, on appelle ça le, la falaise. La falaise où ça fait un trou au milieu là. Ouais. On voulait voir ça. Mais voilà, manque de vol. Bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois. On aura l'occasion. Voilà. Donc bien sûr, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il y a écrit derrière, parce que ça ne regarde personne, ça regarde que moi et Cécile. Donc voilà, du moment que vous voyez les cartes comme ça, c'est principal. Le reste, ça ne regarde personne. Donc pour le meuble, je suis là, j'attends pour prendre des rideaux. Mais je vais pas en prendre un grand. Je voulais prendre un grand, puis j'ai pas pensé que j'avais mis le four à micro-ondes dedans. Donc il faut que je prenne après de là-haut jusque là à peu près. Et en bas, rebolote. On va reprendre un autre truc de là jusqu'en bas pour cacher. Oui, alors dis aux abonnés aussi. Parce que là, c'est pas. Que le meuble, tu as voulu le faire tout seul, que tu n'as pas voulu que je t'aime. Attends, j'ai pas fini de parler. C'est bien beau les commentaires là de genre Guillaume il est fait tout seul, il est pas aidé. De toute façon, Cécile elle faisait autre chose, elle faisait le ménage, déjà vu, puis bon, je vais pas me justifier encore une fois. Trois abonnés là. Je les affiche. Et on dirait que je fous rien moi, justement ça me saoulait ces genres de commentaires. Et il n'y a pas besoin de 50 000 personnes pour nettoyer un meuble. Déjà, il ne sait pas qu'il n'a pas aidé. Déjà, la personne chez qui il a pris le meuble est montée ici. Ouais, déjà, j'ai vu, c'est lui qui m'a aidé. Il faut arrêter de dire qu'il n'a pas été aidé. C'est lui qui m'a aidé avec sa femme à remonter le meuble. Dieu, mais il n'est pas malheureux à ce point-là. Il faut arrêter de parler. Je peux parler ? Oui, non, mais ça me saoule, ces gens de commentaires. Le mari et sa femme, Sarah, en même pas deux secondes, ils l'ont remonté parce que, comme eux, ils sont tous les deux menuisiers, donc ils s'y connaissent. Et donc, plein du doigt, ils avaient tout monté. Mais après, pour le nettoyage, tout ça, bon, il n'y avait pas besoin d'être 50 000, hein, une seule personne. Hein, et moi, je suis habitué à ranger des meubles comme ça. Depuis tout gamin, je le fais, donc voilà, ça ne me dérange pas. On m'avait dit aussi de faire le changement, mettre le meuble contre le mur, les frigos à côté. Le problème, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon parce que le fil, il n'est pas grand. Il doit être à peu près large comme ça, et pas plus. Donc, c'était pas possible que je change. Hein, mon bébé? C'est pas vraiment possible. Et du fait, le peintre blanc, oui, ça aurait été sympa si j'aurais eu du noir. Si le frigo leur était noir ou le mur leur était noir, ça aurait été sympa en blanc. Ouais. Mais c'est quand même un bois, enfin, je sais pas ce que c'est comme bois, ça doit être sûrement une ancienne armoire. Une ancienne armoire qu'ils ont reconstituée. C'est peut-être lui qui l'a fait aussi parce que lui il est menuisier. Bah oui, il l'a fait. Et ben voilà. Et du coup, il a fabriqué un meuble pour mettre les produits dedans. Mais comme je dis, il y a quand même pas mal de trucs en blanc, puis on a tous la manie à prendre du blanc ou du noir. Déjà, toute la cuisine elle est presque blanc. Le mur, il est crème, le frigo, il est blanc. Pour un micro-ondes, il est blanc. Bon, à part voir. Sinon, les portes, ils sont blancs. S'il aurait fallu le peindre en blanc, non. Ça a été tout blanc. Moi, désolé, je ne suis pas dans un hôpital. Je suis moitié campagne. Donc, l'hôpital, c'est bon, quoi. Il y a des pauvres gens qui y sont du matin au soir. Donc, voilà. Donc, moi, c'est hors de question que je peigne en blanc. De toute façon, ça restera comme ça. Et c'est aussi joli en marron. Voilà, ça égaye un peu. Ça égaye la place, la cuisine. Et en plus, comme j'ai acheté la nappe un peu style marron, avec plusieurs couleurs de marron, alors Shabbat, ça y va très très bien, ça va l'ensemble. Allez hop. Donc voilà.
Donc encore une fois, Cécile, c'est pas ma bonniche non plus. Je ne suis pas handicapé à ce point-là. Une réflexion comme ça, là. Je ne suis pas handicapé à ce point-là. Je suis capable de... Je suis grand, je vais avoir 55 ans, je suis grand. Majeur vacciné, et je suis grand de faire des choses tout seul, quoi. À part si ça a vraiment été compliqué, s'il aurait fallu vraiment que je monte le meuble, bah là c'est sûr, Cécile, elle m'aurait dit à le remonter. Mais non, mais ça, sinon, c'est pas pour monter qu'il dit, c'est parce que tu l'as rempli. Mais c'est rien, ça! C'est parce que je t'ai pas aidé à remplir. Mais même un gamin de 5 ans, il le fait. Même pour s'amuser, il le fait. Faut arrêter les conneries. Il y a 3 abonnés là, voilà, je dirais pas les noms. Faut arrêter les conneries. Ça me démange parce que c'est affiché et tout. Mais n'importe qui peut le faire, ça. Même un vieux de 90 ans, il le fait tout seul. Pourquoi Guillaume, Cécile ne t'a pas aidé? Pourquoi Guillaume, tu fais tout, tu n'as jamais d'aide? Pourquoi Guigui? Coucou Guigui, Bon, t'as hein, pas d'aide, ça. Moi j'ai besoin de personne, je fais tout seul, c'est après s'il faut, il faut, mais s'il avait eu vraiment besoin, il m'aurait demandé, hein, j'étais là. Quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, j'avais pas en faire chier Cécile. Et en plus, elle était dans son ménage, elle faisait la chambre et la salle à manger, donc je n'allais pas... Les gens ils parlent, mais ils ne savent même pas ce qu'on fait. J'allais pas l'emmerder à venir, bah tiens, viens m'aider à remplir le truc. Après, on vient dire qu'on est sceptique, qu'on ne supporte pas les commentaires. J'ai fait tout seul. J'ai fait tout seul. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Ça m'a mis quoi même pas une heure pour tout faire, parce qu'il fallait tout bien nettoyer aussi. On les voit, ils avaient pris un petit peu la poussière et tout, il fallait tout bien nettoyer. Après, bien calculer les produits, où est-ce que j'allais les mettre, les produits où je m'en sers le plus. Comme c'est le petit déj que je me sers le plus en priorité. Et le reste, après, c'est banal, mais le plus souvent, c'est le petit déj. Donc voilà. Voilà sur cette. Mon bébé, t'as chaud. T'as chaud mon cœur. Donc Wally, Walou. Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Bon bah sur ce, si vous aimez cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous dis au revoir, je vous dis Kenavo, je vous dis Abinanzen et ciao ciao, bye bye. Tiens femme, tu peux éteindre, femme. Au revoir.